Salut les gens. Bon bah aujourd'hui j'ai en train de mettre du goudron sur au niveau de la ruche. Voilà. Comme ça c'est fait. J'ai mis du goudron. Voilà les amis. Voilà, comme ça c'est goudronné. Maintenant j'ai plus qu'à mettre après la tôle par-dessus. Voilà, la tôle. Voilà. J'ai mis une tôle directement dessus, voilà, les amis. Maintenant, j'ai plus qu'à le centrer de chaque côté. Hein, de centrer de chaque côté de la ruche. Hein, que ça soit bien centré. Voilà, les amis. Maintenant, j'ai plus qu'à faire des petits trous. Des petits trous de chaque côté de la ruche. Voilà. De chaque côté, voilà les amis, voilà. Les deux petits trous, voilà, de chaque côté pour éviter que maintenant, plus qu'à mettre du Rudson. Du Rudson, voilà les amis, un peu de Rudson comme ça pour éviter que ça ça ne va pas du tout. Rudson il est en train de figer. Voilà les amis, comme ça c'est fait. Voilà, un peu de Rudson. Voilà, c'est une bombe de Rudson que je mets pour l'étanchéité. Voilà les amis. Là, j'en mets un tout petit peu. Après, je prends des vis. Des vis. Voilà, je centre bien comme il faut pour voir que je suis bien centré. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à visser la tôle. Voilà. À centrer le tanchet. Voilà, les amis. Comme ça, j'ai plus qu'à centrer la. Et voilà. Comme ça sera fait. Les ruches seront sorties de la. Voilà, les amis. Comme ça, c'est fait. Comme ça, ce sera. Et là, surtout ça. Et voilà, les amis, comme ça, ben, tout est fait. Là j'ai fini maintenant la tôle du toit de la ruche et j'ai mis du goudron, c'est-à-dire juste. Au niveau du sous de la ruche pour éviter que la tôle transpire, comme ça mouille le bois. Et voilà les amis, bon ben je vais vous laisser et à plus.